Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, désolé, je sais que je ne fais pas assez de vidéos actuellement, voilà, mais vous devez comprendre que il y a deux vies, voilà, il y a ça, et puis il y a aussi des travaux que nous faisons déjà à côté. Donc, ce qui fait que ça nous prend assez de temps. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent inbox ou WhatsApp pour que je puisse faire des vidéos et tout ça, mais vous devez comprendre que c'est vraiment hyper compliqué, voilà. Et j'ai essayé comme ça de faire cette vidéo-là en ce qui concerne la bourse de la formation professionnelle déjà là-bas au Canada. Ce que vous devez savoir, c'est que cette bourse-là, c'est déjà une bourse, je dirais pas entièrement gratuite, parce que la bourse va prendre en charge que les frais de scolarité et que des allocations mensuelles et tout ça. Mais lorsque vous avez la bourse, c'est ce que je dis toujours aux gens, toujours à ceux qui postulent, lorsque vous avez la bourse, c'est vous-même. Vous devez vous occuper de la procédure pour avoir le visa. Vous voyez? Voilà. Et avec ça aussi, il y aura des moments où il y a d'autres qui seront sélectionnés, il y a d'autres qui ne seront pas sélectionnés. Voilà. Donc, le fait d'avoir la bourse ne veut pas dire automatiquement que vous avez un visa pour aller y étudier. Non. Vous allez respecter les conditions de la bourse. C'est vrai. Mais une fois que vous allez finir de respecter les conditions de la bourse, pour avoir le visa, vous devez respecter les conditions du visa. Et quand on dit visa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Déjà, la bourse, c'est entre 14 000 et 20 000 dollars. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous prenez coiffure, je crois qu'au Canada, formation professionnelle, au Canada, coiffure, c'est 6 000 dollars. Donc, si vous allez obtenir 14 000 dollars pour la bourse et que votre formation fait 6 000 dollars, ça veut dire que vous voyez, il y aura 8 000 dollars qui pourraient rester. Et les 8 000 dollars, vous pouvez diviser en 10. Si votre formation fait 10 mois minimum ou bien 18 mois, ben je vais prendre 10 mois. Si ça fait 10 mois, alors les 6 000 dollars, les 8 000 dollars qui vont rester, vous divisez en 10, vous allez voir que chaque fin de mois, vous vous retrouvez avec 800 dollars. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, lorsque vous allez finir de faire ça, à côté, il y a quoi? Il y a les services d'assurance. Voilà. Il y a aussi la procédure pour avoir le visa. Et y aller. Vous comprenez? Donc, essayez maintenant de voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir cette bourse-là. Et à côté de ça aussi, comment est-ce que vous allez faire pour avoir le visa? Il y a aussi des garants financiers que vous devez avoir. Donc, avant de postuler à cette bourse-là, vous allez voir, je vais mettre le lien déjà en commentaire ou bien dans la description. Vous allez déjà voir, vous allez aller sur le site et puis vous allez aussi essayer de vérifier quelles sont vraiment les conditions pour pouvoir avoir cette bourse-là. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo-là? J'ai fait cette vidéo pour parler un peu des formations que vous devez choisir. Lorsque vous allez sur le site, vous voyez qu'il y a plusieurs types de formations. Et ces formations-là, regardez très bien l'écran qui est là. Il y a des formations qui sont prioritaires, il y a d'autres qui ne sont pas prioritaires. Mais si votre filière ou bien votre formation que vous voulez prendre n'est pas prioritaire et que vous voulez choisir, il n'y a pas de problème. Mais le conseil que moi je vous donne, c'est quoi? C'est de voir la priorité de votre formation qui est en équivalence. Si votre formation n'est pas prioritaire, vous vérifiez l'équivalence de votre formation dans un état prioritaire pour pouvoir choisir. Sinon, si vous prenez une formation qui n'est pas prioritaire, imaginez-vous, ils vont d'abord essayer de sélectionner ce dont ils ont vraiment besoin, c'est-à-dire les formations qui sont prioritaires. Quand ils vont finir de sélectionner, maintenant ils vont passer à vous si il y a encore des places. Vous comprenez? Donc le mieux, c'est de choisir des formations qui sont prioritaires. Donc les formations qui sont prioritaires, comme je l'ai dit, lorsque vous allez sur les priorités, ils ont mis oui, ils ont mis non. Donc vérifiez bien ce qui est prioritaire, qui est oui, avant de pouvoir sélectionner. Même si ce n'est pas votre filière, prenez des équivalences. Ça va vraiment vous arranger. Voilà, donc n'oubliez pas, nous suivons aussi les candidatures pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc les gars, c'était moi dans mon hôpital. S'il y a des questions que je n'ai pas répondu, mettez en commentaire, je vais faire une vidéo et je vais vous répondre. Ok, donc c'était moi et puis prenez soin de vous, les gars.